Il y a un jeu qu'on joue, nous les garçons, et que les filles n'ont jamais connu. C'est que nous les garçons, qu'on est dans les vestiaires de sport, on importe. Bah, on se touche nos caquettes entre nous en chantant des chansons. Genre, tu me tiens, je te tiens, par le bangala. Celui qui crachera le premier perdra. Aura une biflette. En fait, nous les gars, entre nous, on est trop proches, je trouve. Une fille, elle m'a invité à faire une balade en ville. Moi, je me suis dit, je lui dis en ville, on va tout le temps en ville, il y en a marre. Viens, on va se balader à la forêt. Ok, viens, on va à la forêt. On est parti à la forêt et il fait chaud. Et je commence à avoir des idées bizarres. J'arrive, j'enlève mon débardeur. J'enlève mon short, je reste en chaussures. Et la meuf, d'un coup je vois, elle se met à genoux devant moi. Ah, une dinguerie. J'arrive bien derrière elle, je me baisse aussi. Une fois je me suis baissé, je l'ai attrapé avec les deux mains et je l'ai mangé. Le champignon dans la forêt, faut jamais manger ça. Tu sais pas si c'est empoisonné ou pas les. Mais les champignons, faut arrêter. Les gars, j'ai découvert un jeu d'animaux, regardez. Je me bats contre des animaux. Et moi je suis un rat géant. Regardez les gars, j'ai croisé un oiseau de feu. Waouh, un drague-oiseau. Waouh. Waouh, un boxeur. Regardez, torche ninja les gars, il y a torche ninja dedans. Oh, il m'a tué. On m'a envoyé un jeu et on m'a dit de le tester. Pokémon Unite. Déjà à l'intro, je sais que c'est un jeu d'animaux. Parce que là, il y a un chat, il y a un clown, il y a des ours, il y a des animaux. J'ai pas trop aimé les autres animaux, du coup, j'ai choisi un clown. Le voilà. Au début, je voulais choisir le crapaud, mais je me suis dit, elle va être éclatée. Les amis, j'ai choisi la licorne. C'est une licorne cracheuse de bave, mais on dirait plus un rat dépucelé qu'une licorne. Je vais tuer ce singe là. Piou. Elle a combien de queues? Waouh, moi j'ai qu'une seule queue, elle en a beaucoup des queues. Waouh, tout ce que je peux faire avec ma queue. Waouh, regarde là, on fait un combat de queue. Bah là, c'est celui qui a la plus grosse queue qui va gagner. Je pense que c'est moi, hein. Je suis mort. Un jour, je me suis fait contrôler par la police. Et ils m'ont palpé tout ça, touché bien, bien touché de partout, hein. Eh, c'est bizarre, mais faut juste fermer les yeux et faut penser que c'est une meuf. Et je te jure que ça fait son effet. Tu vois, après, souvent, tu vois, ils ont les mains douces. Ça fait du bien en fin de journée de faire un massage. Aujourd'hui, je vais parler des mecs qui font des pranks sur TikTok. Vos pranks, ils sont tous éclatés. Vraiment. Tu fais pas un prank avec un seau d'eau. Un vrai prank doit finir à l'hôpital. Et un vrai prank doit garder une trace à vie. C'est pas moi. J'ai pranké mon gérer, ça finit mal. Elle lui jette un cafard et crie ah, comme une bonhomme. C'est tout. C'est quoi ça? Oh. Après je peux pas dire un truc parce que je vois pas la personne. Waouh. Regardez les gars, qu'on est un bébé, comment on se développe. Ça c'est nous dans le ventre de notre maman. Et là on est tout petit et on se développe. On se développe, on grandit. C'est incroyable. Ça, il y a des taches noires, des taches blanches. Parce que quand on est dans le corps, c'est le corps qui décide si on sort de quelle couleur. Et du coup ça se mélange et regardez, on grandit. Là il y a nos yeux qui se développent. C'est incroyable. Et après on devient un poisson. Ah c'est pas un humain ça, merde. Ah merde, j'écris bébé naissance. Mais en fait c'est pas un... Ah c'est un chat. Ah c'est un chat les gars. Seuls les garçons peuvent reconnaître une personne avec juste un morceau d'œil. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais c'est qui elle? C'est une star? Star ouais. Elle fait elle était médecin. Des fois elle est professeur. Elle fait aussi plein de métiers. Comme Johnny. Tu connais Johnny? Johnny Hallyday. Scientifiquement, un homme ne peut pas avoir un bangala plus de 15 cm. Si un mec vous dit ça, qu'il en a un plus de 15 cm, c'est que c'est un menteur. On a tous environ 10, 11, 11 et demi, mais pas plus. Si les menteurs qui disent 17, 16, 18, que des menteurs. Tous. Et je peux vous le prouver. Hein. J'avais 7 ans et je faisais du vélo. Et je suis tombé de haut d'un pont. Vraiment, le pot, il devait faire 100 mètres de haut. Et j'ai glissé sur le bord, je suis tombé jusqu'en bas et je suis mort. Mais en fait, je suis pas vraiment mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis tombé juste plat. Pam, tu vois. Et en fait, quand tu tombes plat, faut juste pas tomber sur tes organes. Tant que tu tombes pas sur tes organes génitaux, genre le cœur, la tête, les jambes, les genoux, tu meurs pas. Ok. Du coup, j'ai eu de la chance. Je suis pas tombé sur mes membres génitaux les plus principaux. Et je suis, en fait, et après, ils m'ont enterré. Ils m'ont enterré, tout ça. Ils ont fait la fête de l'enterrement. Et il y avait toute la famille, ils ont fêté l'enterrement, tu vois. Et là, d'un coup, j'entends un silence plat. Aucun bruit. Je me réveille. Veille, je vois que je suis tout nu, j'ai juste un slip. Et je sors de ma tombe. Comment j'ai fait pour sortir en fait? Chez moi, la tombe, faut juste donner un coup de tête. Et elle s'est cassée parce que c'était une tombe en bois, donc ça va, c'est pas solide. Et après, j'ai creusé et je suis sorti. Mais je suis pas revenu chez ma famille, je suis parti chez une autre amie. Comme ça, j'aurais plus d'argent parce que ma famille, ils avaient pas d'argent. C'est tout. Quand j'avais 5 ans, je me suis fait kidnapper par deux membres d'un gang chinois. Chinois? Ouais! 5 ans! 5 ans, ils m'ont kidnappé. Parce qu'en fait, eux, ils aiment bien manger les serpents. Et moi, j'avais un grand serpent. Mais qui, pourquoi ils ont pas kidnappé ton serpent? Ben non, parce que mon serpent il est collé à moi. Il est bizarre ton serpent. Non, mais il s'appelle. Il t'aime trop, genre. Il s'appelle Bangala. T'as appelé ton serpent Bangala? Oui, je l'ai appelé Bangala. Ok, d'accord, après. Et du coup, ils m'ont kidnappé pendant 2 jours. Ah ouais, quand même, 2 jours. Et là. C'est pas beaucoup. Non, il veut me garder plus longtemps, mais c'est moi, je me suis enfui au bout de 2 jours. Comment d'accord, je me suis enfui? D'accord, ok. À 5 ans, tu t'es enfui. Tu sais comment j'ai fait? Dis-moi. J'attendais qu'il dormait. Ah, intelligent. Ouais. Et en fait, je me suis levé. Waouh. Et j'ai fait pipi dans leur nez et dans leur oreille. Comme ça, ils peuvent plus respirer. Et du coup, ils faisaient.
Et ils sont évanouis, les deux. Very intelligent. Ouais, ils sont very intelligents. Waouh. Et après, ils sont évanouis, ils sont morts, je pense. Parce qu'ils dorment toujours, apparemment. Maintenant, ils sont devenus squelettes, mais je pense qu'ils vont se réveiller un jour. Et bah ouais. Et j'ai réussi à partir, moi, et j'ai sauvé mon serpent. Et moi. Franchement, ton serpent, il doit te remercier aujourd'hui. Mais tu sais que maintenant, les meufs, ils veulent sortir avec moi juste pour mon serpent. Ouais, je l'ai jamais vu, ton serpent. Viens, je te le montre. Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Laisse-moi la place. Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Tu ris, tu perds. Si je rigole, je donnerai 100 euros à l'un parmi vous en commentaire. C'est parti! Un jour que j'étais petit, je marchais avec des amis en balade à côté d'un volcan comme ça. Et il y a un pote, il a fait tomber son vélo. Et qui va chercher son vélo? Bah c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai un peu d'expérience, tout ça, je sais nager. Bah du coup je descends là, dans la lava. Je descends, pam, avec tout ça, j'avais des sandales, il glissait, tout ça, un bordel. Tu vois, un short, t-shirt, laisse tomber. Je descendis, j'ai plongé un peu, j'ai pris son vélo. Et après j'ai donné son vélo, mais genre la roue a crevé parce que en bas du volcan, il y avait une pierre comme ça qui a touché sa roue. Mais en moi le plus important c'est qu'il est parti avec son vélo. Faut vraiment toujours aider ses amis. Mais très important, n'importe dans quelle situation, aidez vos amis, sérieusement. Ça, c'est fermé comme une jeune fille que tu viens de rencontrer. Et plus elle te fait confiance, plus elle s'ouvre à toi, mec, vraiment. Zai, zai, zai. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs amis. Surtout les meilleurs amis garçons. Ce genre de personnes, ils sont très dangereux. Si votre copine a un meilleur ami garçon, quittez-la. Pourquoi? Parce qu'un meilleur ami garçon, il est là comme un joueur d'échange. Dans le football, il y a les joueurs d'échange là. Donc, si tu te blesses un jour, ou que ton bangala ne marche plus, elle va faire recours à lui. Et lui, s'il est son meilleur ami, pour la soulever. Ça fait des années qu'il attend. Donc, débarrasse-toi de lui ou d'elle. Ouais. Ou sinon, trouve-lui une meuf. Ça, il va laisser ta meuf tranquille. Martin, tous les matins, Martin, en se levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend.
ton amoureuse, c'est Roxane. Ça va bien d'être un dragon. Martin. Devinette, personnage animé. Il a les cheveux verts et bleus de temps en temps. Un pantalon gris. Il a deux pieds. Il a deux bras, deux oreilles, deux yeux et une seule tête. Alors, c'est quel personnage d'animé? Un truc que tous les garçons font, c'est qu'ils adorent goûter à leur propre jus. Par curiosité. Le mien a un petit arrière-goût de fraise. Tu vois, fraise, framboise, un peu fruité. Et vous, il a quel goût? Ne dites pas non, on l'a pas fait. On l'a tous fait. Juste dis-le ton goût, c'est tout. Commence pas à mentir. C'est pas bien de mentir. Si tu montes en bangala, va devenir tout petit comme ça. Allez, regardez les gars, c'est le kebab de Chine. C'est un jour, j'y vais là-bas, je leur demande un kebab de Chine. Incroyable, magnifique. J'ai trouvé une boîte secrète dans Fortnite, le One Piece. Attendez, il veut pas s'ouvrir, les gars. Pourquoi il veut pas s'ouvrir? Attends, abonnez-vous pour voir. Je pense qu'il faut que vous abonniez pour qu'il s'ouvre. Attends, ah, c'est bon, tu t'es abonné. T'as vu, ça marche. Un des grands secrets sur Fortnite que personne ne sait, vous savez que quand, comme ça par exemple, vous tombez dans l'eau, bah en fait, vous vous noyez pas, vous pouvez nager. Regardez comment ça nage rapidement et bien. Il y a juste à avancer. Par contre, si tu t'arrêtes de nager, il y a moyen que tu te noies. Un secret sur les garçons, les filles. Vous connaissez vraiment pas ça et restez, c'est pour vous. Est-ce que vous savez que tous les garçons, ils ont au moins couché au moins une fois avec leur meilleur ami, mec? Au moins une fois. Et des fois, quand nous on est en galère, on appelle notre meilleur ami, allô, viens me dépanner, tu vois. Et notre meilleur ami vient nous dépanner. On devient pas meilleur ami comme ça sans raison. Si on devient meilleur ami, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur dans la vie.